Ton papa Zoleka, to betelie sous ma boko. L'unique chose que je sais, je n'ai pas besoin de savoir d'où ça vient l'attaque et c'était pour quelle raison. Si l'ennemi était venu pour me détruire, pour me tuer, tant que Dieu m'accorde la vie, je dis, je suis vainqueur avec l'Éternel. Et Dieu nous a appris en disant les dimanches écoulés, avec Dieu, il nous aide à voir au-delà de nos limites. Cela veut dire, celui qui marche avec Dieu, celui qui vit avec Dieu, même quand tout est fermé, il est capable de voir au-delà de ses limites. Cela veut dire, ce que les gens voient de toi aujourd'hui, ce que les gens voient de cette église aujourd'hui, ce n'est pas ce que moi je vois. Dieu donne la vision de l'aigle à celui qui est connecté à l'Éternel. Dieu donne une capacité surnaturelle à celui qui est branché à Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel, il est comme une arbre qui est plantée à côté d'un torrent d'eau. Il ne sèche jamais. Il est tout le temps alimenté. Il est tout le temps ravitaillé. Parce que la connexion de Dieu, celui qui est connecté de Dieu, celui qui est attaché de Dieu, il reçoit toujours quelque chose de la part de l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. J'étais en prière. J'ai prié pour beaucoup de sujets. Et ce jour, quand j'ai prié, j'étais plus à lamentation qu'en disant que l'Éternel va faire ceci ou cela. Je vais expliquer. J'étais à lamentation, cela veut dire quoi? J'ai regardé des sujets. J'ai regardé des problèmes de famille. J'ai regardé des problèmes des membres de cette église. Et j'ai pleuré devant Dieu. Et j'étais là en train de me lamenter. J'ai dit, pour telle personne, Éternel, agis, Yahweh. J'ai regardé pour des gens, des membres de cette église, leur famille, leurs projets, leurs récits. J'ai prié, j'ai me lamenté devant l'Éternel. Je disais, change leur situation, Éternel. Change les choses de leur vie. J'aimerais voir ta main, j'aimerais voir ta gloire, j'aimerais voir ta bonté opérer dans leur vie. J'aimerais voir des changements dans leur vie. J'ai pleuré devant l'Éternel. Et j'ai entendu une phrase. C'est de cette phrase que j'étais amené aujourd'hui. J'ai entendu une phrase. Cela veut dire, Dieu est plus intelligent que moi. Dieu est plus intelligent que moi. C'est ce que j'ai entendu. Je me suis posé la question, mais pourquoi toi tu m'as dit? Moi je le disais, tu m'as dit que tu y es, tu m'as dit que tu vis, de dire au peuple, tu feras des grandes choses, tu vas faire des grandes choses. Nous sommes une rivière jusqu'à ce que nous serons la mer, l'océan, plus grand que je ne vois pas. Mais comment cela va arriver? Quand est-ce que nous allons vivre des grandes choses que tu nous as promis, tu nous as dit, tu nous as enseigné? J'étais en lamentation. J'ai été en lamentation. En regardant les situations de nos frères et des sœurs, j'ai dit, Éternel, agis. Il m'a dit, il est plus intelligent que moi. Je lui ai posé la question, comment? Et dire que tu es plus intelligent que moi. Je sais que tu es un être suprême. Je sais que tu fais des choses d'une manière que personne ne peut le faire. Mais me dit, je suis plus intelligent que moi. Il est plus intelligent que moi. Cela veut dire, laisse-moi te dire, lorsque Salomon voulait demander quelque chose auprès de l'Éternel, il a compris que ce que je dois demander à l'Éternel, c'est ce qui est le plus grand que les autres n'ont jamais demandé. Il a dit à l'Éternel, rends-moi sage, rends-moi intelligent. Cela veut dire, je commençais maintenant à voir les choses. Je n'aurai pas le temps de tout dire, de tout raconter aujourd'hui. J'ai commencé à voir des choses. Je te dis que je suis plus intelligent que toi.
Comment expliquer? Je prends un peuple pour le faire sortir en Égypte, mais la direction que j'amène cette peuple-là, il y a un océan devant eux. Même celui qui était devant, celui qui conduisait ce peuple, il suivait seulement la direction de Dieu. Mais Dieu a mené le peuple d'Israël vers la mer Rouge. Dieu est plus intelligent que moi. Dieu est plus intelligent que toi. Comment expliquer? J'amène un peuple là où il y a des obstacles. Je pouvais choisir un autre chemin. Je pouvais choisir une autre direction. Parce que je me lamentais à beaucoup de choses. Je ne peux pas le dire ici. Parce que c'est l'intimité entre moi et Dieu. Parce que j'ai prié aussi pour toi. Parce que j'aimerais voir que des choses changent dans ta vie. J'aimerais voir que de nouvelles choses commencent dans ta vie. J'aimerais voir une autre dimension s'opérer dans votre vie. Cela veut dire, quand j'apprenais ces choses, nous allons lire, nous allons commencer par la Bible avant de continuer. Nous allons lire Exode. Nous allons lire Exode. Exode. Chapitre 18, verset 19. Je lui la parole du Seigneur. Amen. Maintenant, écoutez-moi. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois le représentant du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. Quelqu'un peut-il acclamer pour la parole de Dieu? La lecture que nous venons de lire, ce n'est pas la lecture que Dieu a dit. Mais lorsque Moïse était placé devant les enfants d'Israël, des enfants d'Israël étaient nombrés. Et il y avait un seul et l'unique responsable qui était Moïse. Moïse était marié. Et quand ils ont évolué là où vivait son beau-père, Moïse commençait à rencontrer, à dire à son beau-père comment les choses se déroulaient à son départ. Parce que c'était là où Moïse était avant d'aller libérer les peuples d'Israël, d'Israël en Égypte. Et lorsqu'il est venu, Moïse disait, il racontait des choses. Voici ce que l'Éternel a fait en Égypte. Il a réalisé des puissances extraordinaires. Et Dieu a frappé les Égyptiens de 10 plaies jusqu'au moment de délivrance. Et Jéthro a vu la responsabilité qui était en Moïse. Il a donné un bon conseil à Moïse en disant, la puissance est sur toi, l'autorité est sur toi. C'est vrai que c'est toi qui as rencontré Dieu, c'est toi qui as vu Dieu. Mais je te dis une chose, tu es en place, donc ça dit c'est toi qui joues l'intermédiaire entre toi et Dieu. Mais je te donne un bon conseil. Tu dois choisir des gens qui vont t'aider à traverser ou à porter cette charge. Et Moïse disait, non, il n'y a qu'une seule personne qui peut faire le lien entre tout, entre moi et Dieu. Jéthro lui a dit, c'est vrai que tu as cette place-là, mais la responsabilité, toute la responsabilité, tu ne peux pas l'assumer. Tu ne peux pas le faire. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu demeure avec toi. Que Dieu opère avec toi. Mais sache une chose. Mais toi, tu es devant le peuple. Tu es devant Dieu. Que Dieu te conduit. Mais tu ne dois pas tout faire. Il faut choisir des gens, des personnes. Cela veut dire quoi? Dieu est plus intelligent que nous. Cela veut dire, dans certaines circonstances de la vie, on se croit qu'on a tout, on peut tout, mais en réalité, Dieu peut utiliser une autre personne pour t'amener à la raison. Moïse, face à tout ce que Dieu a réalisé, face à tout ce que Dieu a opéré dans sa vie, mais quelqu'un qui n'a jamais vu Dieu, qui n'a jamais parlé avec Dieu, qui vient lui donner un conseil en disant, choisissez les gens. Cela veut dire, Moïse avait un problème face à Jéthro.
comment Jéthro, lui qui était son beau-père, et en plus, Jéthro, il était païen. Lui, il était israélite. Comment Jéthro peut lui dire quelque chose qui peut l'aider à l'amener à la réussite? Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, dans la foi, Dieu peut utiliser quelqu'un que tu juges inutile pour mettre son intelligence à travers la personne, pour t'enseigner des choses que toi tu penses tu connais tout, mais une petite chose de la foi que tu ne connais pas, mais qui peut faire de la différence dans ta vie. Dans la foi, on pense qu'on connaît tout. C'est pour cela que j'aime dire à l'église de Dieu, tout le monde est utile. Tu es utile. Laisse-moi te dire, si Dieu ne t'utilise pas maintenant, un temps viendra, Dieu va t'utiliser. Dieu va opérer sur devant toi. Dieu va opérer dans ta vie pour prouver qu'il est le plus intelligent que moi. C'est-à-dire, dans mon intelligence, je peux faire des calculs. Quand je regarde les frères, quand je regarde les sœurs, je vois, vous me dites, j'ai tel ou tel diplôme. Vous me dites, j'ai telle capacité. Mais lorsque Dieu veut opérer, lorsque Dieu veut faire quelque chose, il peut choisir une personne dont personne ne croit. Mais Dieu peut lui rendre utile, poser son intelligence sur cette personne. Alléluia. C'est compliqué pour l'instant à comprendre. Lorsque Dieu a commencé à créer, l'homme était parmi, ou l'homme était l'une des créations, les dernières que Dieu a créées. Parce que l'homme n'est pas venu arranger la terre. L'homme n'est pas venu améliorer la terre. La Bible dit, après avoir tout créé, l'Éternel a dit, tout était bon. N'est-ce pas? Alléluia. L'Éternel a dit tout était bon. C'est-à-dire, la présence ou l'absence de l'homme ne pouvait pas faire en sorte pour que les animaux évoluent. La présence ou l'absence de l'homme ne pouvait pas faire en sorte pour que la pluie tombe. La pluie devait tomber, les arbres devaient pousser, les animaux devaient vivre et se multiplier sans l'homme. Cela veut dire, l'homme se croit intelligent, mais nous ne sommes pas plus intelligents que l'Éternel. Et c'est un peu de réfléchir. Lorsque l'homme a pris place au jardin, pour que l'homme commençait à évoluer, à faire des choses, ça a pris combien de temps? Avant même la fabrication d'un avion, ça a pris combien de temps? Combien de siècles? Quelle sorte de période que ça a pris? Et la Bible dit, lorsque Dieu a donné l'ordre à Noé qu'il va pleuvoir, il fallait Dieu lui-même, étant donné qu'il est plus intelligent que nous, de donner la solution de la construction, des mesures qu'il faut pour construire l'arche qui va aider le peuple de Dieu ou qui va sauver l'humanité lors de l'Élie. Alléluia. Première chose, il savait combien de quantités d'eau sera déversée ces choses-là pour annihiler la terre. Deuxième chose, il savait qu'il fallait quelle taille de navire qui va supporter des animaux et des personnes qui vont monter dessus. Parce qu'il savait que la pluie va tomber. Celui qui construisait, il ne savait même pas que ça va faire 40 jours. Mais lui, il savait que ça va faire 40 jours. Alléluia. Dieu est plus intelligent que moi. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là. Si l'hiver arrive, nous habitons dans des maisons chauffées, dans des maisons conditionnées. Alors des animaux, ils ont conçu quelle maison? Est-ce que leurs maisons sont chauffées? Est-ce que des animaux sont finis? Même au pôle nord, est-ce qu'il n'y a pas des animaux? Est-ce qu'il n'y a pas des poissons? Donc ça dit, même dans les zones tropicales, Dieu savait, il dit, certains animaux ne seront pas placés en Europe pour leur vie, pour leur survie. Il faut qu'ils soient en Afrique. Ça dit, certains animaux, ils vont supporter le froid et leur survie, leur vie, ils vont vivre en Europe. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, si tu comprends le message d'aujourd'hui, Dieu est plus intelligent que toi. Quand tu pleures, quand tu te poses des questions, comment va évoluer ma situation, comment je vais progresser, comment des choses peuvent changer, laisse-moi te dire, ne pleure pas, ne crie pas. Tu dis que j'ai des diplômes, tes diplômes ne sont rien devant l'Éternel.
Ta capacité n'est rien devant l'Éternel. Dieu, il est plus intelligent que toi. Ce que toi tu dis c'est fini, lui il peut créer un autre chemin. J'ai commencé à voir des choses. J'ai dit, on a fait des calculs, on a fait des programmes, on a fait des projets, que dans telle période, telle chose va arriver. Dans telle période, nous allons faire telle manifestation. Dans telle période, on va faire ceci. Mais l'Éternel permet autrement. C'est pour cela que la Bible dit, ta volonté, ce n'est pas ma volonté. L'Éternel parle. C'est-à-dire, celui qui est soumis par la volonté de Dieu, il doit comprendre que l'Éternel, il est plus intelligent que lui. L'Éternel est plus intelligent que lui. Ton problème que tu vis, sache que la sagesse de l'Éternel, l'intelligence de l'Éternel peut te faire sortir de là sans pour autant que tu te rends compte. Même si la médecine dit impossible, lui, il peut changer cela. Et j'ai commencé à voir des choses. Il dit, comment je peux tarder au moment où l'appel la plus rapide est tombé sur la mort de quelqu'un. Alléluia. Jésus, la Bible dit dans Jean chapitre 12, c'était 6 jours avant la Pâque. Jésus était à Béthanie. Il était très loin. La Pâque, c'était la fête la plus importante. Et Jésus s'apprêtait pour la Pâque. Il donnait tout pour la Pâque. Et la nouvelle est venue que ton ami Lazare est mourant. Alléluia. Mais Jésus tardait. Et l'intelligence de Marthe, lorsqu'ils envoyaient des nouvelles en disant, si Jésus arrive aujourd'hui, s'il rentre ici aujourd'hui, ce problème va finir. S'il arrive aujourd'hui, cette maladie doit prendre fin. Appelle seulement Jésus. Mais Jésus était à Béthanie. Alléluia. Jésus n'était pas là, il était à Béthanie. Dieu est plus intelligent que toi et moi. Cela veut dire, Marthe était là en train de dire, quand est-ce qu'il va venir? Est-ce que des gens ont envoyé? Et des gens de retour ont dit, il est toujours à Béthanie. Les jours de la mort, il est mort. Et lui non plus n'était pas là. On a fait le deuil, on a pleuré, l'enterrement, lui non plus n'était pas là. Alléluia. Dieu est plus intelligent que toi et moi. Cela veut dire, il y a des moments où tu penses, où tu attends que Dieu va agir maintenant. Dieu attend un moment de répondre à ta vie. Lorsque ça va arriver, tu dis vraiment c'est lui qui a fait. Parce que l'intelligence de médecins n'ont pas marché. L'intelligence des avocats n'ont pas marché. L'intelligence des savants n'ont pas marché. Mais ça, c'est Dieu qui a fait. Parce que si il était mélangé avec les médecins, s'il était mélangé avec des savants, on allait dire, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? J'ai posé la question face au maire rouge. Pourquoi permettre que des gens puissent crier, surtout que toi tu savais que des gens devaient passer par là? Alléluia. Des gens commencent à crier. Des cris. Dieu était plus intelligent et plus intelligent que moi. Dis aussi pour toi, Dieu est plus intelligent que moi. Pourquoi permettre des gens commencer à crier? Il y a des gens qui crient déjà. Quand est-ce que Dieu va faire? Quand est-ce qu'il va agir? Quand est-ce qu'il va répondre? Est-ce que nous sommes dans le véritable? Est-ce que ça va aller ou ça va évoluer? Est-ce que des choses vont changer ou ça ne va pas changer? Il y a même des gens qui se doutent en disant, moi je pense que ça ne va pas arriver. Moi je pense que ça ne va pas se faire. Moi je pense que l'accomplissement ne viendra pas. Laisse-moi te dire, ton Dieu est plus intelligent que toi. La Bible me dit, là où s'arrête ton intelligence, c'est là où commence celui de l'Éternel. Il criait. Mais Moïse savait une chose. Que l'Éternel était plus intelligent que lui. Comment il a expérimenté cela? Au moment des 10 plaies, ce n'est pas l'intelligence de Moïse qui agissait, mais c'est l'intelligence de Dieu qui agissait. Maintenant, ça va être le tour des sauterelles. Maintenant, la mer rouge va devenir rouge.
Maintenant, je vais faire ces sirois, la famine. Mais les dernières plaies, maintenant, il faut faire ça avec des symboles. Va devant les la maison des gens qui sont à moi. Place un signe. Parce que l'ange de la mort va passer. Il va tuer les premiers-nés. Qui était plus intelligent? Et pourtant, Moïse était né où? Est-ce qu'il pouvait savoir ces choses-là? L'intelligence de Dieu, celui qui pense que Dieu est intelligent. Laisse-moi t'expliquer, peuple de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, sous terre, dans la mer, même dans les nuages, même dans les planètes, l'homme cherche à tout voir, mais n'a pas encore tout vu. Aujourd'hui, on parle de coltan. Il y a des minéraux au Congo, on parle depuis 1960. Qui savait le coltan? Il fallait que des portables arrivent, des ordinateurs arrivent pour qu'on commence à parler de coltan. Dieu peut élever ta personne à cause de l'intelligence qu'il a mis en toi. Parce que s'il te donne l'intelligence des savants, des sciences, c'est-à-dire tu sauras inventer quelque chose qui n'existe jamais, dont tu seras la première personne. Quand lorsque cela va être vendu ou acheté, tu seras la milliardaire ou le milliardaire. Peuple Dieu, si tu sens que Dieu est plus intelligent pour que toi, ne pleure pas pour tes problèmes. Ne pleure pas pour les circonstances de la vie que tu traverses. Ne pleure pas pour des vents qui peuvent souffler de gauche à droite à côté de ta vie. Ne pleure pas, peuple de Dieu. Et Moïse a compris que Dieu était plus intelligent que lui. Il a regardé des peuples israélites qui étaient en train de regarder. Vous savez qu'est-ce que le peuple disait? Moïse, fallait nous laisser là-bas mourir en Égypte. Là, au moins, on devait avoir des tombes. Donc, le plus intéressant dans la vie de quelqu'un, c'est la tombe. Ce sont des tombes que vous étiez là, esclave, né esclave et mort esclave. Voici sa tombe. Dieu est plus intelligent que toi. Si Dieu t'amène ce soir ici dans ce lieu, pour que la malédiction s'y a commencé, cette malédiction doit prendre fin. Si la pauvreté a commencé, cette pauvreté doit prendre fin. Si la disette était là, des choses devaient changer. Le temps qui est en train de traverser, n'écris pas. Pensez seulement que l'Éternel est plus intelligent que moi. Quand tu penses des solutions, quand tu traverses des solutions, tu ne vois pas l'issue. Retourne vers l'Éternel parce qu'il te donnera la solution à faire pour changer le cours de ta vie. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, Moïse a consulté l'Éternel. Et récemment, ce jour-là, il n'était pas agité. Dieu est plus intelligent que nous. Mais Moïse n'a pas pu entrer en Canaan à cause du peuple, non pas à cause de lui. Il a agi en colère. Parce qu'il disait, nous voulons l'eau. Or, pour que l'eau arrive, lui, il doit faire une opération. Son intelligence ne peut pas faire jaillir l'eau. Or, quand nous parlons de Moïse, la Bible me dit Moïse était élevé en dignité. Or, lorsque nous parlons de puissance, à l'époque dont Égypte dominait, Égypte était la première puissance mondiale. C'est-à-dire, en fabrication, en connaissance, en science, même en magie. C'est pour cela, quand Moïse parlait de l'Éternel, le pharaon a dit, il a jeté son bâton par terre et s'était transformé en serpent. Ça n'a pas intimidé pharaon. Alléluia. Cela veut dire qu'il y a des choses. Ça ne peut pas intimider le diable. Mais comprenez. Et la Bible dit que Pharaon a regardé et dit, oh, mais ce gars-là vient pour délivrer ce peuple avec ces actions-là. Mais appelle-moi des sorciers. Jetez aussi vos bateaux. Ils ont jeté leurs bateaux par terre. Moïse était perdu parce que l'action qu'il a fait
pour lui des autres faits. Mais l'Éternel n'était pas perdu. L'intelligence de l'Éternel a avalé des serpents, a avalé des serpents de la sorcellerie, a avalé des serpents de la malédiction. L'intelligence de Dieu, lorsqu'il opère, lorsque toi tu sens que c'est fini, lui, il va mettre une nouvelle chemin. Lorsque tu dis l'ennemi aussi peut le faire, il va prouver qu'il est un Dieu puissant. Il va démontrer qu'il est vivant. Il va démontrer qu'il agit encore. Il opère encore. Peuple de Dieu, comprenez. C'est pour cela dans ta vie, n'écris pas. Cherchez, quand tu te sens que tu as les limites, entrez maintenant en connexion avec Dieu. Maïle Nange Souki, mon intelligence s'arrête. Fongo Langaï, Bando qui basali miracle. Ba magicien basali miracle. Mais y'a nzambe comme mele ya bango. Y'a nzambe son mela makamu na bango. Et son mela ba malédiction na bango. Ça va avaler toutes leurs actions. Et cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsqu'on a dit à Jésus que Lazare est mort, 3 jours après, il est venu. Voici l'intelligence de Marthe. Maître, si tu étais là, ton ami ne pouvait pas mourir. Alléluia. Quand on parle de Lazare, Lazare était l'ami à Jésus-Christ. Laisse-moi t'expliquer. Il y a certains amis, même si tu es malade, il ne va pas être informé. Ça va changer quoi? Mais quand on informe avec souci même d'un ami qui est malade, c'est que c'est un ami, hein? Soyez avec moi. C'est que c'est un ami. Et en plus, il savait que lui, son ami, il est capable de guérir les malades. Mais ça a mal coïncidé. Quand au moment où son ami est malade et il est presque mourant, lui, il est absent. Il y a des choses. Quand on veut appeler quelqu'un, dans le monde aussi, ça existe. Si vous voulez résoudre certaines choses qui demandent l'argent, on va appeler celui le plus riche. Mais lorsque Jésus était venu, Marthe commençait à dire, si tu étais là, Seigneur, oh, ton ami ne pouvait pas mourir. Mais Jésus a dit, je suis plus intelligent que Marthe. Marthe parle de la mort. Moi, je dis, Lazare n'est pas mort. Comment expliquer? Mettons maintenant dans notre intelligence. Toi, tu vois, les médecins ont dit que cette personne est morte. Des médecins ont confirmé que cette personne est réellement morte. Vous avez pleuré toute la journée avec ce corps-là sans qu'il soit réveillé. Vous avez pleuré la nuit, il n'est pas réveillé. Le matin jusqu'à l'enterrement, cette personne n'est pas réveillée. Vous allez l'enterrer. Et quelqu'un dit qu'il dort. Dieu est plus intelligent que toi. C'est là où tu dis c'est fini. Pour Dieu, ce n'est qu'un débit. Là où tu te sens que je ne peux pas évoluer, pour Dieu, il a un autre mécanisme qui peut changer le cours de votre vie. Et Jésus était un bon ami. Même s'il était enterré, il est vite venu là où Lazare était enterré. Mais Jésus, lorsqu'il est arrivé, il a donné l'ordre. Il dit, ouvrez cette tombe. Oh, des gens commencent à dire, non. Comment on peut ouvrir cette tombe? Parce qu'il sent déjà. L'odeur était déjà là. Il sent déjà. Parce que toi, tu n'étais pas là. Ça fait déjà 3 jours depuis qu'il est mort. Dieu est plus intelligent que toi. Et Dieu est plus intelligent que moi. L'intelligence de Dieu peut te faire sortir là où tu es bloqué. L'intelligence de Dieu peut t'appeler là où les choses ne marchent plus. Quand j'ai pleuré pour des gens, il dit, laisse, je vais agir. Laisse, je vais faire. Je suis plus intelligent que toi. Pour que l'homme puisse trouver de l'or, des diamants, des minéraux, pour savoir comment l'utiliser, ça fait combien de temps? Donc ça dit, à l'époque d'Adam et Ève, même si tu trouves or, qu'est-ce que tu vas foutre avec ça? Même si tu prends les diamants, qu'est-ce que tu vas foutre avec ça?
Il y a même quelqu'un qui a l'habitude de me dire, il dit, il y a des fois, nous, en Afrique, on fait des bruits. Si on nous laisse maintenant le cuivre là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Si on vous dit, on sort les diamants, tu sors ça, c'est toi, tu mets ça sur la table, qu'est-ce que tu vas foutre avec ça? On ne sait rien faire avec. Même si on dit ça, c'est le fer. Il y a quelqu'un qui disait toujours en Afrique, nous avons les manganèses. Nous avons, ils finissent tous de sortir nos bizarres. Il dit, ici là, il y a tout. Tu vois, dans mon village, quand je marche, il y a même le pétrole sous-sol. Mais après, qu'est-ce que tu vas faire? Vous savez, il y a des fois, Dieu donne en partie chaque homme afin qu'il puisse se glorifier. Il ne peut pas donner tout à quelqu'un. Moïse, la puissance était sur lui. Dieu opérait des miracles, mais il ne pouvait pas tout résoudre par rapport à l'intelligence qu'il avait. Jéthro, Dieu a parlé à travers Jéthro, en lui disant que Dieu est avec toi, mais tu dois savoir que tu dois choisir des gens qui seront là pour t'aider. Ne cherche pas à tout résoudre ce que tu ne peux pas. Cela veut dire, dans ta vie, ce que tu sens impossible, Dieu rendra cela impossible, possible. C'est que là où tu te sens des limites, comprenez seulement que Dieu est plus intelligent que nous. Dieu est plus intelligent que nous. Et l'intelligence de Dieu a fait la terre d'une manière que je ne peux pas expliquer. Même les savants les plus forts aujourd'hui, ils ne savent pas, même la terre. En bas, sous sol, il y a un noyau qui chauffe. Est-ce que ça a déjà chauffé quelqu'un ici? Alléluia. Il y a l'air que nous respirons. Et ça a déjà dérangé quelqu'un. Même si, est-ce que quelqu'un peut-il fabriquer l'air? Même si Dieu nous donne, parce que la Bible dit, Dieu a choisi tout un tribu pour lui donner la connaissance des sciences, la maîtrise des fabrications. Mais Dieu n'a pas donné toute son intelligence dans l'homme. Donc Dieu est plus intelligent pour ton problème, pour ta situation, ton problème de santé. Là où nous pleurons dans cette église, moi, je n'ai pas tout dit. La manière dont je me lamentais devant Dieu pour que j'attende cette mot-là, ça te dépasse peut-être. J'ai cité des noms, j'ai cité des personnes, j'ai cité des problèmes. Dieu agit. Il dit, je suis plus intelligent que toi. Cela veut dire, là où tu vois la mer rouge, fais confiance à Dieu. Il fera en sorte, il sait comment tu vas traverser. C'est pour cela que je crois en Dieu, parce qu'il t'a amené d'abord ici. Donc comme tu as quitté déjà Égypte, comme des sorciers ont été frappés de 10 plaies, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont en Europe, un sorcier ne voulait jamais qu'il puisse arriver même à Saint-Brieuc ici. Dieu t'a déjà donné la victoire que tu arrives ici. Que la mer rouge ne te fasse pas crier. C'est-à-dire, des maladies que tu vois, tu ne verras plus jamais. Amen. La sorcellerie que tu vois, tu ne verras plus jamais. Amen. Des blocages que tu vis, tu ne verras plus jamais. Amen. Dieu mettra une porte pour que tu puisses sortir, afin que tu puisses glorifier l'Éternel. Amen. Quand Dieu donne une solution pour ta victoire, l'ennemi qui va tenter à te suivre, il finira par mourir. Et Pharaon était impoli avec son armée. Dieu a agi par son intelligence. Il dit, moi aussi, je vais continuer à suivre ces peuples-là. Même ils sont en pleine mer rouge, comme l'eau est séparée, entrons aussi avec nos chars. Alléluia. C'est-à-dire, celui qui va tenter à te suivre, là où Dieu donne ta solution, ça sera sa mort. Alléluia. Ça sera sa mort. Que Dieu vous bénisse et Dieu bénisse la parole de Dieu.